Lecture du livre de l'Exode. Le troisième mois qui suivit la sortie d'Égypte, jour pour jour, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. C'est en partant de Réphidim qu'ils arrivèrent dans ce désert, et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais venir vers toi, dans l'épaisseur de la nuée, pour que le peuple qui m'entendra te parler mette sa foi en toi pour toujours. » Puis Moïse transmit au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements pour être prêts le troisième jour. Car ce troisième jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. » Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie de cors. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du cor était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes des abîmes. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim, béni sois-tu au firmament dans le ciel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. La Bible dit que Moïse parlait au Seigneur face à face, comme à un ami. C'est ainsi que doit être la prière, libre, insistante, avec des arguments, et aussi en reprenant un peu le Seigneur. « Mais tu m'avais promis ceci et tu ne l'as pas fait. » Comme cela, comme on parle à un ami. Ouvrir son cœur à cette prière. Moïse redescend de la montagne revigorée. « J'ai appris à mieux connaître le Seigneur. » Et avec cette force que la prière lui a donnée,
il reprend son travail de conduire le peuple vers la terre promise, car la prière vivifie, elle vivifie. Que le Seigneur nous donne à tous la grâce, car la prière est une grâce. La prière change notre cœur, elle nous fait mieux comprendre comment est notre Dieu. Mais pour cela, il est important de parler avec le Seigneur, non pas avec des mots vides de sens, Jésus dit comme les païens, non. Parler avec la réalité. Mais regarde, Seigneur, j'ai ce problème dans la famille, avec mon fils, avec celui-ci, celui-là. Que peux-tu faire? Mais regarde, tu ne peux pas me laisser comme ça. C'est cela la prière. Cette prière prend-elle beaucoup de temps? Oui, elle prend du temps. Neuvaine en 9 vidéos, disponibles sur la chaîne Prière par Catoglade. Nous prierons ensemble pour les vocations, pour les prêtres, l'Église, contre l'obscurantisme. Nous pouvons aussi demander une grâce personnelle, comme l'arrêt de mauvaises addictions. Tout cela en communion de cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premier jour, l'amour de Dieu. Saint Jean-Marie Vianney, vous avez été bouleversé par l'immense amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Émerveillé de cette bonté infinie, vous n'avez eu d'en être témoin infatigable. Ah, si vous saviez combien Dieu vous aime! De jour en jour, vous avez tenu à être fidèle à cette ultime recommandation reçue au moment de partir pour Ars. Il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu, vous en mettrez. Malgré les difficultés, goûter à cet amour divin a été votre joie profonde. Aimer Dieu et être aimé de Dieu. Quel bonheur! Saint curé d'Ars, vous savez que je voudrais mieux servir Dieu, dont j'ai déjà tant reçu, et pour cela, mieux le connaître et l'aimer davantage. Oui, aidez-moi à l'aimer, malgré les difficultés de la vie, malgré mes pauvretés ou mes souffrances, que je prenne toujours plus conscience de l'amour de Dieu pour moi, que je n'hésite jamais à m'appuyer sur lui. Oui, pour cela, obtenez-moi de grandir dans la foi. Saint Jean-Marie Vianney, nous nous réunissons aujourd'hui en communion de cœur pour vous demander votre intercession. Dans ce monde qui se déchristianise et où le péché règne, vous qui aviez le don de voir le cœur des personnes, nous vous demandons d'ouvrir les cœurs des responsables de l'Église pour que leur mission porte du fruit et qu'ils ne se perdent pas, permettant de nouvelles et nombreuses vocations afin de répondre aux besoins évangéliques de la mission dans les pays qui manquent de prêtres et où l'obscurantisme s'appesantit. Nous nous engageons à, pour ceux qui le peuvent, nous rendre à l'adoration dans les jours qui viennent pour déposer cette demande devant la présence réelle. Nous nous engageons aussi à communier à cette intention pour ceux qui le peuvent. Nous vous déposons aussi les demandes de chacun priant cette neuvaine. Intercédez pour chacun de nous. Guérissez, consolez et accompagnez. Saint curé d'Ars, nous avons confiance en votre intercession. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.